le nouveau sponsor, les gars, L'Oréal. Nous le valons bien. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la 5e épreuve du championnat. 6e, 4e, le mec ne sait plus. C'est que le début, le mec ne sait plus. À Blangy-sous-Pois. Et avant que la vidéo commence, faut que je vous explique quelque chose qui m'est arrivé dans la semaine. Je travaillais pas, donc mercredi, jeudi, vendredi, merveilleux, c'est déjà le week-end, on est mardi, on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'on fait le mercredi, on va aller rouler. Ça fait plaisir, on travaille jamais, enfin je travaille toujours le mercredi, donc on va en profiter pour les rouler. Donc direction Merville, que certaines personnes connaissent. Donc l'entraînement se passe plutôt bien, tout ça, je me dis bah tiens, dernière session, on s'élance, on se fait plaisir, on est là, on roule tout content, tout ça. Sauf que là, dinguerie, je vous monte en photo. Ah! Donc ce qui s'est passé, j'ai perdu donc tout l'équipe qui contenait le radiateur, comme d'habitude. Non mais la finale de l'an dernier c'est le radiateur, là c'est encore le radiateur. Est-ce que j'ai un problème avec ça? Je ne sais pas. Du coup, bah le piston... Rac! Allez hop, le piston serré, heureusement le cylindre n'avait rien. Donc voilà, quand on était mercredi, j'avais la course dimanche, c'était un peu la galère. Donc je remercie Renaud Gaillard de chez Gepard, je vous mets son adresse donc juste ici et sa page Facebook là, ou là, peu importe, comme vous voulez, qui m'a commandé donc le piston en express et qui m'a sauvé la vie. Franchement, grand merci à toi, sinon j'aurais pas pu rouler donc le dimanche. Et je remercie aussi Sébastien Taï qui m'a ressoudé mon radiateur. Franchement, sans eux, c'était archi mort. Franchement, j'étais vraiment pas confiant quand ça m'est arrivé le mercredi. Du coup, j'ai pu enfin rouler. Donc, j'ai fait le rodage donc à l'entraînement tranquillement. Et franchement, je m'en suis plutôt bien tiré. Et j'ai pas pu... Enfin, le format est un peu différent dans la vidéo. D'habitude, je prends le temps de filmer le terrain, tout ça. Mais là, j'ai pas pu venir la veille. J'ai été invité donc à un anniversaire. Mais j'ai pas fait gaffe qu'il y avait Blangy le jour-là. Du coup, j'ai dit oui. Mais je suis rentré donc à 3h du matin. Et pour vous dire l'histoire, le mec, condition physique au top du top, hein. Moi, aux petits oignons, couché 3h du matin, levé 4h30 pour partir, parce que j'ai 1h30 de route, bien évidemment. Et donc, voilà quoi, au niveau du sommeil réparateur, on avoisine les 0%, hein, clairement. Un petit dodo sur la route qui fait plaisir, hop, une petite compote, on est parti. Mais aussi, j'ai changé de guidon. Et j'ai ravancé aussi le guidon. Et franchement, le mal de bras, je dirais pas qu'il a disparu, mais il est grandement réduit et j'ai beaucoup mieux roulé qu'aux courses précédentes. Donc soit c'est le guidon, soit c'est le fait que je suis sorti la veille. Donc on va retenter week-end prochain à Fontaine-les-Crozières, on va ressortir et rentrer très tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai très bien roulé, je suis plutôt fier de moi, enfin plutôt fier de moi. J'aurais pu mieux faire. Mais je manquais donc un peu de rythme, forcément que j'ai perdu donc, dans les courses précédentes. Mais je me suis beaucoup fait plaisir durant les manches. En tout cas, on se retrouve donc week-end encore le week-end prochain. Donc c'est Fontaine-les-Croisilles. Un terrain que j'apprécie beaucoup. Et là, il est pas trop loin de chez moi et je dors là-bas. Donc là, je vais tout déchirer, les gars. Là, si vous me regardez, là, les Alban Moreno, les Camiteillés, c'est terminé. Ça, les autres choses, c'est pour moi maintenant. Trop confiant, le mec, trop confiant. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc abonnez-vous, bon visionnage, petit like, très important. Bisous les potes.
Dehors les Romanos! On notera que le mec laisse passer tout le monde, hein, c'est incroyable. Yeah.
Bon, comme vous pouvez le constater par rapport aux courses précédentes, là, il y a de l'attaque, quoi. Le mal de bras n'est plus là. Et ça, ça fait super plaisir. Ça, c'était ultra motivant. C'est pour ça que j'ai remonté autant de pilotes. J'ai gardé tout le même rythme tout au long de la course. Mais malheureusement, à la fin, donc comme on voit dans le dernier virage, je rattrape donc un attardé ou un pilote qui avait crevé, je crois. Et j'étais persuadé qu'elle allait se décaler sur la gauche, mais en fait pas du tout. Il est resté droit devant moi. Et le temps que je l'évite, donc l'autre pilote que j'avais doublé juste avant, donc me repasse et donc je finis donc à une 16e place. Donc je suis plutôt satisfait de cette manche. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je reprends beaucoup de plaisir, on va dire. Et franchement, ça fait super plaisir. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche de la journée. C'est nul. C'est pas bien. C'est... J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent.
encore une fois, j'ai su garder le même rythme dans la manche. Et à un moment donné, donc je nargue un pilote, mais c'est un ami d'enfance que je connais depuis tout petit. En fait, j'avais pas de caméra dans le dos, mais il m'a lancé des attaques pendant toute la manche. Et j'ai su tenir, mais ça tenait qu'à un fil. Heureusement qu'il restait plus qu'un tour. Et grâce à ça, je finis à, je crois, une 18e place, 17e, je ne sais plus trop. Et j'arrive à me qualifier pour la finale, enfin, le retour des finales. Bon, j'espère honnêtement ne pas finir comme la première. Mais bon, en tout cas, j'étais vraiment content de m'être qualifié, enfin, de retrouver vraiment du plaisir sur la moto, parce qu'avec le mal de bras que j'avais, c'était vraiment difficile. Donc on se retrouve donc pour la finale de la journée. La grille était vraiment pas grande, du coup je me retrouve donc en deuxième ligne. Bon, déjà là le départ c'est mort, mais bon, j'ai fait de mon mieux et je m'en sors plutôt bien. Je vous laisse voir ça en vidéo et on débrief après.
Et c'est sur ces images de la finale que la vidéo va se terminer. Donc, comme j'ai dit au début de vidéo, j'étais pas là la veille. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images en vidéo, en caméra embarquée. Mais bon, je me rattraperai donc le week-end prochain. Donc c'est à Fontaine-les-Croisilles. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette épreuve avec le nouveau guidon. Donc le mal de bras, franchement, une fois qu'il est parti, pouvoir attaquer à chaque fois, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, bonne continuation, on se retrouve week-end prochain,